L'ancien champion de patinage, Philippe Candeloro, n'est pas vraiment du genre à mâcher ses mots. Alors quand on lui parle d'argent, il n'hésite pas à répondre, sans tabou. Dans les colonnes de Voici, le patineur évoque ses finances et ses économies plutôt maigres. Des aveux surprenants pour celui qui n'a cessé d'entretenir sa réputation de radin. « J'ai de quoi vivre 2 ou 3 ans, pas plus », a-t-il confié au magazine, avant de s'en prendre au gouvernement. « Avec tout ce que le gouvernement te taxe, c'est de la folie. Tu te saignes toute ta vie et on te prend tout. Le social, aider les gens, c'est bien, mais moi, si demain j'ai besoin d'aide, on ne me donnera rien. Alors je bosse, je ne compte que sur moi. » Et du travail, Philippe Candeloro en a encore, puisque le patineur est actuellement à l'affiche du Lac des Cygnes sur glace. La retraite sportive n'est donc pas pour tout de suite.